dois attendre un peu que le bracelet se recharge. Nage et pluie, pas un bon mélange. Nage et pluie, pas un bon mélange. On peut encore voir qu'un rouage a été retiré ici. Une nouvelle mission pour Élise la réparatrice. On peut encore voir qu'un rouage a été retiré ici. Une nouvelle mission pour Élise la réparatrice. On peut encore voir qu'un rouage a été retiré ici. Une nouvelle mission pour Élise la réparatrice. Mon chemin est juste derrière cette porte. Je dois remettre cette grille en marche. Derrière toute grande énigme se cache un homme encore plus grand, je crois. Vraiment ? Il était presque. Mon chemin est juste derrière cette porte. Je dois remettre cette grille en marche.
Je vais avoir besoin de toi. Le tunnel s'est effondré sur lui-même. Demi-tour. Les quais étaient un lieu de pêche intense. Ces pêcheurs approvisionnaient la région tout entière. Suite à la baisse d'activité, il a été transformé en un simple port de plaisance. Il est toujours cependant possible, à marée basse, de trouver des casiers de pêche contenant des coquillages. Les habitants de Saint-Exil ont tant souffert ces dernières années. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont fait de leur mieux pour maintenir les fêtes et autres traditions. Tout a commencé il y a 6 ans. À l'époque, j'étais encore qu'étudiante et je passais le peu de temps libre que j'avais au bar avec mon groupe d'amis. En fait, on allait toujours au même. On était bien là-bas. Ce qui nous plaisait tout particulièrement, c'était les concerts organisés par les petits groupes amateurs qui passaient de temps en temps. Rien de très extraordinaire en soi,
Mais l'ambiance qu'il créait était magique et accompagnait à merveille nos petites soirées à base de bières les moins chères qu'on trouvait. J'arrive pas à croire qu'on ait déménagé avec tous ces livres. Le pire, c'est qu'on a sûrement des doublons. Après tout, on restait étudiants. Et puis, il y a eu ce groupe. Ça faisait plusieurs jours qu'ils venaient et leur musique m'a comme hypnotisée. Ce genre de rock qu'on n'oublie pas et que j'ai d'ailleurs pas oublié. Je dois bien admettre que le guitariste était pour quelque chose. Son nom était Pierre. Il y avait toujours ces moments après le concert où les membres du groupe traînaient un peu au bar. Mais j'osais pas l'approcher. Et je crois que lui non plus. Plus ça allait, et plus nos regards se croisaient, se cherchaient, je sentais qu'il se passait quelque chose. Un soir, alors que les effets de l'alcool faisaient effet, j'ai plus hésité. Je suis allée le voir. D'un point de vue extérieur, c'était probablement gênant. En tout cas, je l'aurais été. Mais ça a pas eu l'air de le déranger. On a discuté pendant des heures, mais ça m'a paru passer en un instant. Je voyais qu'il était timide. Et quand on est sorti du bar, je l'ai attrapé par le... Ne s'ouvre pas de ce côté. Bras, et je l'ai embrassé. Il aurait pas fallu qu'on se quitte sur un malentendu. J'adore cette histoire. Notre histoire. Mais ça explique pas pourquoi on a choisi Saint-Exil pour vivre pleinement notre vie à deux. À ce moment-là, Pierre et moi, nous étions dans notre dernière année de fac. Nous avions déjà pu beaucoup profiter de la ville et de son agitation. Et même si les années qu'on a passées là-bas étaient fantastiques, on avait vraiment besoin de changer d'air. Un retour au calme. Ouais, voilà ce qu'il nous fallait. Et c'est lorsqu'on regardait un reportage sur les régions de bord de mer qu'on a eu le déclic. Les paysages étaient tout simplement sublimes. Je me souviendrai toujours de ce que Pierre m'a dit à ce moment-là. « Mon amour, prends tes valises, on déménage. » On a juste eu le temps. Temps de finir nos études et de mettre un peu d'argent de côté, qu'une annonce pour une maison à louer à Saint-Exil nous a tapé dans l'œil. Cette chanson. Pierre avait écrit une chanson sur tout ça. Sentir l'humidité ambiante. Le bâtiment est plus étanche. Ça explique la fermeture pour rénovation. Heureusement, un peu de lumière s'infiltre à travers ces planches. Ça permet d'y voir quelque chose. J'oublie toujours de boire.
je t'aime. Les quais ont été construits par la famille Dereau. Leur maison peut être trouvée au bout de ceci. Pour faciliter la gestion de l'eau depuis le manoir blanc, un chemin y menant a également été aménagé. Guide de pêche à la crevette. Un pêcheur a dû l'oublier ici. Il y a des informations utiles dedans. On peut encore voir qu'un rouage a été retiré ici. Une nouvelle mission pour Élise la réparatrice. Neige et pluie, pas un bon mélange. Bonne chance avec ce casse-tête. La prochaine sera la bonne. Parmi les oiseaux ayant élu, ils gardent. Pour éviter ces soucis, les agriculteurs locaux ont installé des épouvantails. Complètement verrouillé.
tu es mon seul ami. Beau gosse. T'es mal le style. Te revoilà. Ne m'oublie pas.